Oui? Allô? Non, c'est juste que le train il nous a planté en regard parce que tu sais, il y avait la barrière là, automatique, c'est pas un peu plus. Donc on aura 5 minutes de retard. Oui, c'est pas du tout. Ouais, comme ça. Non, psychologie.
Alors je vais vous expliquer ce que je fais. Histoire. Je filme le voyage. Et le fait que ce soit un déplacement horizontal, vu que c'est que ce soit en voiture, en train, en bus, en ce qu'on veut, eh ben, il y a des images différentes qui sont décalées. Et c'est là que c'est intéressant. C'est parce qu'il y a un physicien allemand, le siècle dernier, qui a trouvé l'effet Fulfrich, c'est son nom. Et avec une simple paire de lunettes, là, ce que je filme, je vais le mettre sur YouTube. Et après, les gens qui regardent, soit on peut regarder normalement et on voit le trajet normalement, soit, c'est là que c'est marrant, on met un des verres de lunettes teintées. Là, ça va être sur l'œil droit. Et on aura un effet de profondeur. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que le fait qu'il y ait un filtre, eh ben, l'œil droit, il va avoir l'information plus en retard par rapport à l'œil gauche. Et vu que là, il y a un déplacement horizontal, c'est exactement comme nous, nos deux yeux, il y a un déplacement horizontal pour voir en trois dimensions. Et ça marche bien. J'ai vu des vidéos comme ça. Vous avez déjà essayé? Ah oui, ça marche super bien. C'est pour ça que je prends. C'est pour ça que je filme. Et on peut filmer aussi les trucs qui tournent, par exemple les manèges qui tournent, ben ça marche aussi. Soit c'est un déplacement horizontal, soit c'est une rotation. Et ça fait un effet de profondeur. Franchement, c'est on voit en relief. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train se lève en Gardie et court. Oui. Nous vous informons que nous circulons actuellement avec un retard d'environ 5 minutes. Oui, en raison de la panne d'un signal lumineux en gare de Montbéliard. Parce que normalement pour filmer en 3D il faut une carte. Que nous circulons actuellement avec un retard d'environ 5 minutes. Une double. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Ouais, donc pour filmer en 3D, quand ils font les films au cinéma, il y a deux caméras. Normalement, il y a deux caméras. Lors de votre descente, et garde à l'intervalle. On prend des lunettes 3D, alors ce qui fait que l'œil droit et l'œil gauche, on voit deux images différentes. Et bien là, avec une simple téléphone ou simple appareil photo machin qui filme, et ben là, ça marche. C'est là que c'est drôle. Et puis en plus, c'est une simple